beauté n'est pas dans les clashs, mais souvent j'ai envie de clasher certaines personnes rien que pour faire le buzz, tranquillement, tranquille. Parce que si Lolo Beauté ne fait pas de vidéo, la toile est moucou. Est moucou. Tranquille. Il paraît qu'il y a un homme de Dieu, un pasteur maudit là qui a prononcé mon nom. Tranquillement, tranquille. Oh oui, attendez, je vais bien m'asseoir d'abord. Parce que ce pasteur là, j'ai fait sa délivrance en direct. C'est un babier, oui. Un babo. Tranquillement, tranquille. Oh oui, toi Lolo Beauté, on est en mois de carême. Et puis toi, tu fais les vidéos. Tu fais les vidéos bizarres pour mettre ça sur internet. Gars maudit là, il a dit, c'est vous qui avez déjà Jésus. Tranquillement, tranquille, les pasteurs là, c'est vous qui avez déjà Jésus. Toi, tu sais que toi, tu es dans le mois de carême. Tu ne peux pas te désactiver sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens regarder le cuit des gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Et puis toi, tu t'en fais vidéo pour avoir 80 vues, pour dire que oui, toi, Lolo Beauté, toi, dans le mois de carême, toi, tu fais vidéo. Et bien, qui c'est aujourd'hui? Ta mère, il bien qui sait. Tes soeurs, il bien rébissait. Tranquillement, tranquille. J'ai dit sur les réseaux, je suis cabri mort. Cabri mort n'a plus peur de couteau. Toi, tu es pasteur. Quand tu arrives dans ton église là-bas, là, il faut dire à tes fidèles qu'on, oui, dans le mois de carême, là, tout le monde doit se déconnecter sur les réseaux sociaux. Toi, c'est toi qui payes notre connexion. Gars maudit là. Toi, tu payes nos connexions et puis nous, on va attendre moi. Toi, ton mois de carême, là, moi, c'est pas mon mois de carême. Tranquillement, tranquille. Mais on se connaît ici en détail. C'est vous, les pasteurs, qui allez baiser les filles de l'église pour les enceinter. Vous, vous connaissez technologie. Toi aussi, tu as venu t'asseoir ici pour dire que oui, toi, Lolo Beauté, tu as envoyé du diable. Qu'il faut arrêter de y dire. À partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui font carême, là, déconnectez-vous, tranquillement, tranquille. Quand on veut prier le Seigneur, là, on ne vient pas sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, là, il y a tout. Il y a Toto, il y a être humain, il y a bandit, il y a mourseuse, il y a tout le monde sur les réseaux sociaux, là. Donc, toi, tu ne peux pas venir prêcher la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, là, pour dire que oui, toi, Lolo Beauté, il faut changer ta vie. Vous, là, je vous mets en garde. Moi, je suis sur ma page. Je fais ce que je veux, quand je veux, comment je veux. Tranquillement, tranquille. Quand j'ai fini la vidéo là, je vais vous faire une petite démonstration de comment baiser son homme sur un canapé. Tranquillement, tranquille. Donc vous les chrétiens, les soi-disant chrétiens là, vous vous jouez au saint pour aller vous mourir dans les églises. On vous connaît ici. Les chrétiens là, eux, ils vont à l'église. Toi, tu envoies ta femme à l'église, tu penses que ta femme s'en prie le Seigneur. Mon ami, elle a un doux pays là-bas qui entend la grève. Quand lui vient, on va prier. Le Seigneur m'a dit. Toi, le Seigneur peut te dire quoi, et puis moi, il ne peut pas me dire. Le Seigneur, là, lui, il parle à tout le monde. Dans le Jassa, il parle à tout le monde. Toi, tu es venu me dire ici que le Seigneur a dit quoi? Faut pas Lolo Beauté va venir faire direct. Il brillait, qui sait? Tranquillement, tranquille. Allez-y, mets sur tous les toits. Quand Lolo Beauté insulte homme de Dieu, mon ami, ton homme de Dieu, là, ça, c'est pour toi. Moi, je suis envoyé du diable. Donc, si nous deux, on s'attrape, là, attention, il te fait du sale. Tranquillement, tranquille. Quand oui, nous, on est en mois de carême. Et puis, celle-là fait les vidéos d'affaires de nien et puis de trous des rats. Mon ami, si tu es coagulé, la femme me dit que tu es coagulé. Parce que la plupart des personnes, ils sont sur les réseaux sociaux. Là. Quand ils voient ma bouche, ils finissent de frapper au coup bicyclette. Là. Quand ils ont fini de gâter le coin, là, c'est là qu'elles vont venir m'insulter. Regardez-moi des coagulés vicieux comme cela, tranquillement, tranquille. Hé, je vous mets en garde. Je ne suis pas dans vos conneries là. Ah oui, on m'avait déjà donné une étiquette. Je suis la go la plus vulgaire. Moi, je suis depuis le ciel. Dieu même a dit à maudite et puis je suis descendu ici. Donc, ce n'est pas malédiction de vous, les êtres humains, là, que moi, ça me prend. Je mange chez toi. Le jus, je vais prendre de l'eau chez toi. Là, mon ami, il faut verser l'eau chaude sur moi. Tranquillement, tranquille. Tous les pauvres lolos aussi vont venir mettre d'elle qui pue là sur Lolo Beauté. Quand oui, on a un mois de jeûne. Mon ami, mon cul. Ton mois de jeûne à mon cul. On vous connaît ici. Tranquillement, tranquille. Donc, lui, j'en ai fini à lui. C'est pas un pasteur, hein. C'est un maudit, un pied, qui sait. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Les pasteurs, là, aient peur de moi. Mais mon nom ne doit pas sortir dans votre bouche, là. Sinon, il y a même vos papos sur les réseaux sociaux, là. Ben, vous dites que vous êtes homme de Dieu, non? Moi aussi, je suis homme de Dieu. Je suis la prophétesse Anne. Et en tant que prophétesse Anne, et toi, je sais pas, tu es quoi? Peut-être dans le corps du Christ, toi, tu es l'anus. Je sais pas, toi, tu es dans quoi? Sinon, moi, je suis la bouche du Christ. Toi, tu es l'anus du Christ. Donc, comment je parle, là, il faut te taire tranquillement.
On est dans le mois de carême. Toi, tu as venu me parler, c'est plus moyen de comprendre ça. Regardez, pasteur maudit là. Et puis, il y a des gens à côté. On dit, c'est un petit règlement de compte. Vous qui êtes à côté, qui n'aimez pas Lolo Beauté là, vous faites semblant de venir me suivre là. Ah, quand oui, Lolo Beauté, toi, tu es trop vulgaire. Ma chérie, quand tu enlèves ton caleçon et puis le gars te tchore là, toi, tu es pieux. Tranquillement, tranquille, je suis sur ma page. Je fais ce que je veux, quand je veux et comment je veux. Vos commentaires à la bande de cons là, je n'en ai rien à faire. Vous avez dit, frappe à Oko bicyclette et ça. Je n'en ai rien à faire. Regardez mon teint. Quand vous m'insultez là, mon chat prend plus. Pause publicitaire, il fait comme le général maintenant. Pour toutes les personnes qui veulent avoir le teint de Lolo, avant d'insulter, je vais continuer. Toutes les personnes qui veulent avoir le teint de Lolo Beauté. Parce qu'il y a des personnes qui sont trop bêtes. Elle veut créer buzz, insulter Lolo Beauté pour avoir plus de vues. Moi, je suis sur les réseaux sociaux là. C'est pour gagner mon jet. Tranquillement, tranquille. Parce que quand je finis une vidéo comme ça, c'est pas moins de 10 000 euros que je recherche. Je ne suis pas dans vos clashs 2 à 5 francs, venir dire le nom de quelqu'un ou bien venir donner moralité pour avoir vu. Mon ami, vu sur internet là, ça paye pas. Tranquille. Donc, toi, tu es en train de prononcer le nom de Lolo Beauté. Toi, Lolo Beauté, tu n'es pas pudique. Toi, Lolo Beauté, tu es trop vulgaire là, mon ami. Tu prononces mon nom pour avoir assez de vues. Sinon, si tu ne prononces pas mon nom, là, il n'y a pas assez de vues. Tranquillement, tranquille. Donc, il y a des personnes mal intentionnées. Vous, je vous ai toujours dit, vous les blogueurs, là, vous êtes bêtes. Oui. Vous les blogueurs, là, vous êtes bêtes. Je vous le dis. Apprenez à être un peu intelligent. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, là, et puis vous êtes en train de clasher Lolo Beauté, là, vous faites mon atalakou et puis mon apologie. Tranquillement, tranquille. Vous lancez mon étoile, ça va loin. Tranquille. Donc, ayez un peu de discernement. Je voudrais remercier ici, il y a un site là, Hit de Babi. Voilà, lui, son enveloppe est prêt. Parce que lui, il coupe mes vidéos, et puis ce qui chauffe que des gens. Lui, il s'en met ça sur Hit de Babi. C'est mon gars. Tranquillement, tranquille. Donc, toi, je te fais un big up. Maintenant, tous les hauts, les blogueurs, que les teints sont inachevés, qui prononcent la bouche dans leur gueule là, dans bouche de Lolo, dans leur gueule là, qu'on oui, toi, Lolo Beauté, toi, tu es vulgaire, mon ami. Sur moi, ma page, je vais toujours parler à faire des pines et puis de cons. Tranquillement, tranquille. Si tu es fâché là, toi, sur ta page, faut parler de l'évangile. Tranquille. Il y a des gens, ils sont sur les pages, et ils parlent de Dieu. Il y a des gens, ils viennent, ils parlent de leurs vêtements. Il y a des gens, ils viennent, ils parlent de leur linge. Voilà. Chacun fait son business sur les réseaux sociaux. Tranquillement, tranquille. Moi, je ne fais pas, je suis pas là pour parler. Moi, je parle de tchat. Quand il y a envie de gagner l'argent, je parle de tchat. 00337-69-84-12-27. Je reprends le numéro de Lolo Beauté pour avoir mon teint. Votre teint inachevé là. Les filles qui aiment parler de Lolo Beauté, votre teint inachevé, sale, sale là. Venez y être ciré ça. 00337-69-84-12-27. 00337-69-84-12-27. Ma chérie, ton teint inachevé. Tu es frustré parce que ton teint n'est pas propre. Viens contacter Lolo Beauté. Là, ça, c'est mon travail. Parce qu'il y a des personnes là, tranquillement, tranquilles. Ils sont tellement bêtes dans leur gamme. Elles vont se réveiller matin. Et puis, ils sont toujours en train de parler de Lolo Beauté. Je vous ai dit, moi, là, j'ai un buzz. Plus vous parlez de moi, plus ça me rapporte de l'argent. Donc, si vous êtes intelligent, que vous n'aimez pas Lolo Beauté, évitez de parler de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Vous êtes connecté, vous vous abonnez à ma page. Vous vous attendez à quoi? Que je vienne vous dire que le Seigneur vous aime, il dit qui c'est. Le Seigneur là-même, il a dit à fraye à la terre. Ben, vous l'avez déjà. Tranquillement, tranquillement, moi, je ne suis pas pasteur. Il y a des conneries là. Quand oui, toi, ton frère, il est pasteur. C'est un escroc, c'est rentré ici. Famille indigne, mon ami. Nous, dans notre famille, là, chacun a son argent. Toi, ton papa t'a enseigné la dignité, l'honnêteté, comment on appelle ça, la pudique. Être pudique. Toi, tu as quoi? Tranquillement, tranquille. On connaît ici bouche des noix. Si moi, aujourd'hui, je fais une vidéo, qu'on oui, le Seigneur, Jésus vous aime, les gens vont trouver quelque chose à dire pour venir parler de Lolo Beauté. Mon ami, un jour, j'ai fait une vidéo. Il a dit, le Seigneur vous aime. Jésus est venu pour nous sauver. Vous allez voir les maudits là, venus commenter ici. Vous pensez que je ne vous connais pas? Il y a des personnes actuellement qui sont en train de pleurer. Parce que, il a dit à Ange, quand je fais mes directs là,
Les personnes qui ne sont pas d'accord avec mes directs là, faut les bannir. Bah, moi là, je vous annonce que je chasse les gens sur ma page. Si tu n'aimes pas Lolo Beauté, tu fous quoi sur ta page? J'ai banni certaines personnes. Ils rentrent dans mon inbox pour me demander pardon. Lolo, pardon, on m'a banni, je ne vois plus tes vidéos. Jean, il dit, mais tu n'aimes pas mes vidéos. Pourquoi tu pleures pour revenir sur ma page? Tranquillement, tranquillement, on connaît ici le noir. Le noir est maudit. Quand il voit l'eau de... Il dit, la stamania là, c'est Dieu qui donne. Il y a des gens, matin, ils se réveillent, ils se brossent les dents, puis ils filment, ils mettent sur Internet, ils deviennent stars. Il y a des caniches qui sont plus stars que nous-mêmes, les êtres humains. C'est Dieu qui donne la starmania. On ne force pas la starmania. Moi, j'ai pas, moi Lolo Beauté, je ne suis pas venu sur ma page en train de dire, oui, tel nom, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Mon ami, je gagne quoi dans ça? Moi, je suis une business woman. Quand je viens faire une vidéo, c'est pour parler de Jay, tranquillement, tranquille. C'est pour parler de Moupan. Plein de personnes sont sur les réseaux sociaux là. Vous êtes coagulés. Ils sont en train de frapper à Oko Bicyclette. Vous connaissez ici les gens de Paris, ici là, des grands masturbateurs. On connaît ici, vous frappez à Oko de gauche à droite là. Au moins, vous avez eu quelqu'un pour venir vous montrer les techniques de comment vous mettre bien, vous n'êtes pas content. Les kikinettes hautes là, eux qu'on sort là. Nous, on vous montre les bons ways. C'est vous qui trouvez que oui, nous, on est vulgaires. Je vous apprends. Ma page là, c'est la page de la go la plus vulgaire de l'Afrique. Donc si tu ne l'aimes pas là, mon ami, faut dégager tes testicules d'ici. On t'a pas forcé. Toi la femme, ton Jésus là, faut enlever ça ici. Parce qu'on t'a pas forcé à venir rester ici. Tranquillement, tranquille. Je suis capitaine. Appelez-moi Jack Bauer. Je reste et je demeure maître des réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme pour moi. Payez-vous vos petits injures là. Je prends et puis je fous mon doigt dedans. Puis je me masturbe et puis je gâte. Tranquillement, tranquille. Vous pensez que quoi? Que vous, là, vous prenez quoi? Tranquillement, arrêtez un peu. On vous connaît, vous, les noirs, là. Il y a des personnes qui vont se réveiller matin. Ben, il y a des personnes, là, eux, sur les pages, là, c'est Lolo Beauté ou rien. Et ils vont faire vidéo sur Lolo Beauté ou rien. Mais quand vous dites Lolo Beauté, là, les spectateurs, là, ils sont pas cons. Ils vont vouloir savoir qui est Lolo Beauté. Mon père m'a toujours dit, ma fille, une publicité, qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est une publicité. Donc, toute publicité est bonne à prendre. Comme moi, je suis une business woman. Même si tu dis Lolo Beauté, ta mère con, c'est une publicité. Je prends ça comme ça. Ben, tu es un insulteur con de ma maman, non? Mais con là, quand je vais faire ma publicité là, l'argent qu'elle a remporté là, elle dit la vieille, tiens pour toi. Elle va dire, ouais, ma fille, donc a toujours m'insulté. Ben, nous tous, on est barbiers. Vous n'avez encore rien compris dans le système. Un jus là, il n'y a rien de temps. Nous, on prend et puis on se gère à ça. Un jour ne m'atteint plus. Il a dit Cabri mort n'a plus peur de couteau. Je vous fais du sale sur les réseaux sociaux. Tranquillement. Je vous fais du sale. Quand oui, son frère pasteur. Lui, il est pasteur et puis quoi? Quand ça vous arrange là, vous savez qu'il est pasteur. Mais quand ça vous arrange pas là, c'est vous qui trouvez que c'est un escroc. Il vous a dit qu'il est pasteur. Ceux qui ouvrent dans leur gueule là, qu'il est pasteur là, c'est pas ça vous arrange. Quand vous voulez attaquer Lolo Beauté, oui, son frère pasteur. Ma chérie, dans toute une famille là, il y a pasteur, il y a imam, il y a évangéliste, il y a tout. Mais tout le monde n'est pas chrétien. La plupart même des pasteurs là, les enfants là, mais ce sont les plus grands braqueurs. Je vais vous apprendre ça tranquillement. Vous pensez que l'évangile là, tout le monde peut prendre ça? Quand ils vont aller au ciel là, ils vont venir attraper notre pied pour dire qu'allons-y ensemble. Le salut là, il est personnel. Donc chacun suit sa voie tranquillement. Vous êtes versé sur les réseaux sociaux, on vous dit d'aller travailler. C'est femme qui travaille qui a le droit de jouir. Femme pauvre n'a pas le droit de jouir. Elle doit faire jouir les autres. Tranquillement, tranquille. Oui. Femme qui est riche là, c'est elle qui a le droit de jouir. Maintenant, femme qui est pauvre là, elle doit faire jouir les autres. Tranquillement, tranquille. C'est ce que j'ai dit, puis ça vous fait mal là. Tranquille, arrêtez un peu là. Vous pompez l'air aux gens là. Jusqu'à cause de vous-même là, on est devenu coagulés. On comprend même pas. Tellement vos bouches là, c'est sur nous. Tranquille, arrêtez un peu. Oui, celle-là, elle est vulgaire. Je suis vulgaire, vous faites quoi là? 00337 69 84 12 27. 00337 84 12 27. C'est le numéro de Lolo Beauté direct pour avoir un meilleur teint. Un teint propre. Quand tu passes même là, le vent te siffle, ma chérie. Même s'il fait chaud, on appelle ça teint fraîcheur. Tranquillement, tranquille. Arrêtez un peu. Vous les filles là, quand vous dites allez-y travailler, c'est vous qui trouvez tous les défauts. Oui, celle-là est comme ceci. Celle-là est comme cela. Celle-là est ceci. Elle est vilaine, ma chérie. Toi, tu es belle là. On sait avec qui tu t'es. Bite, tu t'en soucies. Tranquillement, tranquille. Mais nous, on cherche notre argent de manière digne et honnête. Tranquillement, c'est ça la différence.
Je vous dis toujours, femme pauvre n'a pas le droit de jouir. Femme riche doit jouir. Femme pauvre doit faire jouir les autres. Tranquillement, tranquille. C'est le nouveau concept de Lolo Beauté. Si tu ne veux pas aller travailler, tu vas rester derrière. Toi, tu es sur les réseaux sociaux à prouver. Vous pensez que moi, toute ma journée, là, je ne fais que bosser. Comment chercher l'argent? Donc, quand je mets ma caméra là, j'ai envie de décompresser. Il y a des gens, ils ont compris le système de Lolo Beauté. On est dans un pays de stress. Donc, quand tu finis d'avoir le stress là, quand tu t'assois, tu as besoin d'écouter au moins des personnes un peu folles comme Lolo Beauté. Là, tu décompresses. Tu es à l'aise dans ta peau. Mais vous, le pauvre, vous nous ennuyez là. Tranquillement, tranquille. Arrêtez un peu là. Vous nous fatiguez de notre système nerveux là. On est là, papa. Toi, tu es ceci. C'est vous qui aimez juger. C'est qui? Non, c'est pas toi. C'est vous qui aimez juger n'importe qui à n'importe quel moment. On est fatigué de vous là. Tranquillement, tranquille. C'est Lolo Beauté ou rien. Maintenant, oui, toujours. Je vous apprends la stratégie, mon petit. C'est pas fait exemple sur toi. Viens, viens t'asseoir. C'est mon petit. C'est mon petit, il faut laisser. Position. Il ne faut pas bander ici, sinon ils vont te frapper ici. Non. Tout droit. Comme ça. Non, assieds-toi comme ça. Poussez ça là-bas. Je vais vous montrer la stratégie. Quand ton homme est trop fâché, lui-même il est derrière Koumé, assieds-toi bien. Je vais vous montrer. Quand ton homme est trop fâché contre toi là, comment tu dois le prendre quand tu rentres à la maison? Garçon là, je vous ai dit, il arrête de réfléchir lorsqu'il est bandé. Donc quand ton homme est trop fâché, qu'il arrive à la maison, il y a une manière qu'il s'assoit, il est trop serein, mon frère, lève-toi. Toi aussi, ça va, tu es fâché, un beau là. Assieds-toi bien, colle tes pieds. Fais un garçon qui est fâché, il est trop serein. Vous voyez comment il est serein là? Je vais le désséréniner ici tout de suite. Un garçon, il est serein, fâché pour cette habille. Et toi aussi, tu veux me séduire ou quoi? Le gars, il est fâché. Tu rentres, ton chéri est fâché comme cela. Tu déposes ton sac, on appelle ça position. Braquage de couilles. Ouais, ça c'est la position. Braquage, pousse ton tatami là-bas. Position, braquage de couilles. Tu bouges pas trop, attrape là. Un garçon qui me fait trop malin là, il attrape pas d'abord, il dit, oh, faut essayer de me repousser. Non, j'aime pas ça. Faut pousser là-bas, oh, j'aime pas ça. Mais il aime ça, au contraire, quand il me dit pousse là. Il t'attrape, faut pousser. Là, maintenant, toi, tu peux faire les choses. Non, cette vidéo-là, c'est une prochaine fois. Mon ami, il faut pousser. Bah, ils sont concentrés. Vous êtes trop concentré, il n'y a pas vous faire plaisir aujourd'hui. Cette vidéo, braquage de couilles, on va faire ça après demain. Quand il est trop fâché, on ne parle pas trop. On appelle ça braquage de couilles. Il y a des femmes, elles sont là, je ne parle pas mon chéri. Lui aussi, il ne parle pas moi. On se discutait dans la maison, j'ai chéri. Quand il y a trop palabre, tu attrapes ses couilles. Tu lui fais une bonne rerotte. Non, la prochaine fois, mon petit, c'est ça, non? Ouais. Aujourd'hui, c'était un petit règlement de compte pour vous dire. Toujours imiter, mais jamais égaler. Quand je parle des choses comme cela, là, vous êtes braqués. Après demain, non, on fait ça le week-end. Parce qu'il ne faut pas, les gens vont trop bander. C'est un homme, quand il bande trop, les nerfs commencent à lui faire mal. Parce que le gars va vouloir exercer ça. Et il ne pourra pas. Le samedi. Ça, mais il n'y a pas fait en direct. Il a fait vidéo et puis il est venu mettre. Opération braquage de couilles. Les hommes qui aiment trop faire malin dans le foyer, là. Je vais vous apprendre, vous les femmes, là, comment diriger votre foyer. Je vous ai toujours dit, la femme est maître de son foyer. Parce qu'elle fait plaisir à son homme. Une femme qui fait plaisir à son homme, là, il devient comme mouton. Pas qu'il est mouton, mais il devient comme mouton. Parce qu'il est obligé de tout faire pour toi. Ben, tu sais, tu connais son point G. Opération braquage de couilles, samedi. Mais pour l'heure, je suis en train de... Voilà, j'ai pas trop le temps. Ceux qui critiquent Lolo Beauté, eh bien, qui sait? Ceux qui aiment Lolo Beauté ne m'aimez pas. Parce que je suis pas venu sur les réseaux sociaux pour que vous m'aimez. Bien au contraire, je suis venu pour que vous me détestiez. Tranquillement, tranquille. Pour avoir le teint de Lolo Beauté, 00337. 69 84 12 27. Le numéro de mon institut à Abidjan, 00225 47 46 44 79. Je vous donne rendez-vous samedi à partir de 19h, heure de France, et 20h, heure de l'Afrique.
pour opération braquage de couilles. Celles qui disent que oui, toi, Lolo Beauté, tu aimes trop parler de ça là. Vous êtes mort. Je vais encore appuyer sur l'accélérateur. Vous ne me connaissez pas. Plus je suis combattue, plus je deviens violente. Schneke.